closing the door. No man will say, no, I don't want what this thing. I'm going to close the door, fermer la porte. Personne ne peut dire, je ne veux pas ça, je vais fermer la porte. And man kicks it closed. Et l'homme va le laisser fermer. As he removes his leg, quand l'homme enlève son pied, the door will just spring up again. Quand l'homme enlève son pied, la porte va encore s'ouvrir. And if he kicks it again, et le ferme encore, it will open. Ça va s'ouvrir encore. He opens it. Il va s'ouvrir. And no man shut it. Il ferme. Il ouvre et personne ne ferme. No king shut it. Aucun roi ne ferme. No sickness shut it. Aucune maladie ne ferme. Hey! And if you kick it too often, he removes the door from the hinges. Et si tu fermes trop la porte, il enlève carrément la porte de là. Is that not what the Bible says in Isaiah 45? C'est parce que la Bible dit dans Isaïe 45. To open before you. Et j'ouvre devant de toi. The two leaf gates. Les deux battants de la porte. That is our God. Ça c'est notre Dieu. So since he's such a one. Donc, voici comment ça se passe. As we want to bring this message to the final part. Pendant que on envoie ce message vers la fin. Let us first of all understand. Comprenons premièrement the provision he has made. Que la provision qu'il a faite. For your continuing or continuous victory in life. Pour ta vie continuelle dans la victoire. Pour ta vie continuelle dans la victoire. What will be your experience? Quelle sera ton expérience? Always, always. Ton expérience de tous les jours. When you enter into his rest. Quand tu entres dans son repos. So these are the things we want to use to close. C'est ce que nous allons utiliser pour clôturer. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? Why does he say you should totally trust him? Pourquoi il dit que tu dois totalement avoir confiance en lui? But let's go back to the passage we started with. Allons voir dans le passage que nous avons avec lequel nous avons commencé. And we are going to go with more speed now. Et on va aller plus rapidement maintenant. So tighten your seat belt. Donc, attachez vos ceintures. And follow me. In Exodus 20, we have seen how the Lord said, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall you labor and do all your work. But in the seventh day is the Sabbath of the Lord. The Sabbath of the Lord, c'est le jour du repos de l'Éternel, thy God, ton Dieu. In it, tu ne feras aucun thou shalt do not do any work. Tu ne feras aucun ouvrage. We must labor to keep this commandment. Nous devons travailler pour garder ce commandement. Then verse 11 explains. Verset 11 l'explique. For it took God 6 days. Car en 6 jours, l'Éternel a travaillé. To lay out all of his plans. Il a fait tout son plan. And to finish it. Et accompli ce plan. That he might enter into rest. Afin que lui, et après il est rentré dans son repos. So he says. And rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day. Et dit donc, c'est pour cela que Dieu a béni le jour du sabbat. And hallowed it. Et l'a sanctifié. Amen. In Matthew chapter 22, Matthieu chapitre 22, we are told how to understand this commandment. Nous a été dit que nous devons comprendre ce commandement. And all commandments. Et tous les commandements. The guiding principle by which all of the commandments are observed. Dans tous les principes dans lesquels les commandements ont été établis. In Matthew 22, Matthieu chapitre 22, Jesus answers a question and makes a great statement. Il a fait une grande déclaration. A lawyer asked him a question. Il y a un juriste qui lui a demandé. A lawyer, avocat. Un avocat. Ou un juriste, un avocat. Oui, même mot.
asked him, which is the great commandment in the law? Quel est le plus grand commandement de la loi? In another place, say, which is the greatest commandment? Un autre mot, il a dit, quel est le plus grand commandement? Verse 37. And Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor, what? As thyself. On these two commandments hang all what? The law and the prophets. Donc le verset 37 au verset 38, le verset 39, j'ai lu le verset 40. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. On what commandment lies all? De ces deux commandements dépend toute la loi. The love of God, the love for God, l'amour pour Dieu, and the love for your fellow man. Et l'amour pour ton prochain. Fellow man. On this stands the law of keeping the Sabbath. De ces deux proviennent la loi qui dit qu'il faut garder le sabbat. To keep the rest. De garder le repos. The rest of God. Le repos de Dieu. The Sabbath day of God. Le repos. The Sabbath day of God is His rest, God's rest. Le repos de Dieu, c'est le jour du sabbat, c'est le repos de Dieu. How do you keep it? Et comment on le garde? By love. Par l'amour. You must love God. Tu dois aimer Dieu. You must love God. Tu dois aimer Dieu. When you come to understand. Quand tu comprends cela. That all you think for yourself about yourself is only included as part of the plan He has made for you. Quand tu comprends tout ce qu'il a fait, ça fait partie du plan qu'il a prévu pour toi. Your desire for yourself. Ton désir pour toi-même. What you want in life. Ce que tu veux dans la vie. Is only a small part of what He has planned for you. C'est seulement très petit, une petite partie de ce que lui l'a planifié pour toi. I know the thought that I think towards you. Je connais les pensées que j'ai prévues pour toi. The thought of good. Ce sont les pensées de bénédiction. And not of evil. Et non de malheur. To give you a future. Pour te donner un avenir. Beyond what you can think. Un avenir au-delà de ce à quoi tu peux penser. It is because we believe in the love of God that we can come to rest. C'est parce que nous croyons en l'amour de Dieu que nous pouvons rester dans le repos. When you love God. Quand tu aimes Dieu. You are not restless. Tu n'es pas sans repos. Because you understand that everything about you is His concern. Parce que tu comprends que tout ce qui est en toi, le Seigneur a un intérêt à cela. But you must love God in order to have confidence in Him. Confidence in God that cannot be shaken is called trust. Tu dois aimer Dieu pour avoir confiance en lui. La confiance en Dieu qui ne peut pas être mouvementée, qui ne peut pas bouger, s'appelle confiance. Now, also, this is with all your heart. Et donc, c'est avec tout ton cœur. But you have to love God with all your soul. Tu dois aimer Dieu avec toute ton âme. With passion. Avec la passion. You want to be where He is. Tu veux être là où il est. You create time for fellowship with Him. Tu crées le temps pour avoir une communion avec Dieu. Soul speaks of passion. L'âme parle de la passion. You have to be passionate about God. Tu dois avoir la passion pour Dieu. You have to expend time and energy in fellowship with Him. Tu dois prendre ton temps et ton énergie, dépenser ton temps et ton énergie pour avoir la communion avec Dieu. Then you must love Him with all your mind. Et tu dois l'aimer avec toute ta pensée. You must give attention to what He has to say. Tu dois donner un temps particulier à ce qu'il veut te dire. Because what He has to say brings peace. Parce que ce qu'il va dire apporte la paix. Romans 8 verse 6. What He has to say brings peace. Ce qu'il veut dire apporte la paix. Dans Romains. But fill your mind with what He has to say. Remplis ta pensée de ce qu'il veut te dire. And continue to fill it. Et continue de le remplir. Then you are
showing love for God. Et donc, tu es en train de montrer l'amour pour Dieu. An implicit confidence will come in your heart towards God. Et donc, la confiance implicite va venir dans ton cœur vis-à-vis de Dieu. And you have your ears for Him. Et tu as ton entendement pour lui. Please, let's clean this so that we can see the situation. This is just the first. All right, so that we can save time. Now, come to Genesis chapter 2. Allons dans Genèse chapitre 2. Verse 1. Genèse chapitre 2, verset 1. What does it say? Thus the heavens and the earth we have finished. Ainsi fut achevé les cieux et la terre. And all the host of them. Et toute leur armée. So Genesis chapter 1. Donc Genèse chapitre 1. Is about the formation of the heavens and the earth. Parle de la formation de la des cieux et la terre. In Genesis 1:1. Dans Genèse chapitre 1:1. We are told. Nous a été dit. That in the beginning God created the heaven and the earth. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. The heaven, les cieux, the heaven of God, les cieux de Dieu, had no problem. N'a aucun problème. But the earth, mais la terre, after some time, après quelque temps, had a problem. A eu des problèmes. And God's activity towards reconstructing the earth. Et donc l'activité de Dieu pour la reconstruction de la terre is a figure or a metaphor of his plan. En fait, est une métaphore de son plan. So he shows to us, donc il nous montre, in the work of bringing about the reconstruction of the earth, dans son activité de reconstruction de la terre, principles of truth that will guide us on how to stay in the Sabbath of God. C'est des principes de la vérité pour nous permettre de nous guider dans le repos, dans le sabbat de Dieu. So let's go into the reading from verse 2. Allons voir dans le verset, à partir du verset 2. And follow what God does. Et voyons ce que Dieu a fait. In order for you to know what to do. Afin que tu puisses savoir qu'est-ce que tu dois faire. Rest is provided. Le repos a été donné. Rest is offered. Le repos a été offert. Rest can be enjoyed. Le repos peut être expérimenté. Now this is where we are addressed. C'est la troisième partie que nous devons chercher à. God provides it by Himself because He knows we need it. La première, c'est que Dieu a provu, il a fait provision du repos. He offers it to us. Et il nous a offert cela. But when it comes to the enjoyment, it tests us how. Maintenant, quand c'est à nous de jouir de ce repos, on se demande mais comment? And then we enjoy it if we accept the how. Et on se réjouit de ce repos si on accepte le comment. That is why. C'est pour cela. Not enjoying rest is called disobedience. C'est pour cela que le fait de ne pas se réjouir ou ne pas expérimenter le repos, on appelle cela la désobéissance. Disobedience generates unbelief. La désobéissance entraîne le manque de foi. So God shows you what to do. Donc Dieu nous montre qu'est-ce qu'on doit faire. If you do it, si tu le fais, you will have peace. There will be tranquility. Tu auras la paix, tu auras la tranquillité. You will have rest. Tu auras le repos. But if you disobey, mais si tu désobéis, you have all kinds of problems. Tu as toutes sortes de problèmes. So disobedience is at the very heart of unbelief. Donc la désobéissance est la racine de l'incrédulité. All right? Disobedience is in the middle of unbelief. Donc la désobéissance fait partie de l'incrédulité. So when the Lord tells us what to do, quand Dieu nous dit ce qu'on doit faire, if we comply, si nous
si nous le faisons effectivement, it is the obedience of faith. C'est l'obéissance de la foi. But if we do not comply, mais si nous ne nous conformons pas à cela, it's the disobedience of unbelief. C'est ce qu'on appelle la désobéissance de l'incrédulité. If we are compliant to the instructions of God, we will have peace, we will have rest. Si nous conformons à la volonté de Dieu, nous allons donc avoir la tranquillité et le repos. Amen. So let's now see it in Genesis. Regardons-le dans Genèse. In verse 2, verset 2, it says, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. That is the problem. But what did God do? Il y avait donc la terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Qu'est-ce que Dieu a fait? The Spirit of God moved upon the face of the waters. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. When God wants to solve the problem, it depended upon His Spirit. Quand Dieu veut résoudre le problème, il dépend de son Esprit. So when God puts His Spirit inside of you, quand Dieu met son Esprit en toi, it has the answer to every challenge of life. Il a la réponse à toutes les difficultés de la vie. What God has confidence in, you have confidence in it. Ce en quoi Dieu a confiance, toi aussi tu as confiance en cela. He moved upon the face of waters. Il se mouvait au-dessus des eaux. When the Spirit of God takes your challenge, quand l'Esprit de Dieu prend tes difficultés, He produces a solution. Il produit une solution. This solution does not come from your head. Cette solution ne vient pas de ta tête. Does not come from the internet. Cela ne vient pas de l'internet. Does it come from tradition? Ça ne vient pas de tradition. It doesn't come from culture. Ça ne vient pas de culture. It doesn't come from bribery. Ça ne vient pas de la corruption. It comes from the Spirit. Cela vient de l'Esprit. And the Spirit of God moved upon the face of the world. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Always, always, when there's a challenge, the Holy Spirit will move upon the face of the problem. Chaque fois, quand il aura des challenges, des difficultés, l'Esprit de Dieu va se mouvoir au-dessus des difficultés. That's the first thing. C'est la première des choses. And when he moves, et quand il se meut, the first thing he gives to you is peace. La première des choses qu'il te donne, c'est la paix. Peace does not tell you that the problem is solved. La paix ne te dit pas que le problème a été résolu. But it gives you peace. Mais cela te donne la paix. He tells you. Il te dit. I'm in charge. Que je m'en occupe. If you believe that, just wave up and say amen. Amen. This peace that he gives to you. Cette paix qu'il te donne. Is called rest. C'est ce qu'on appelle le repos. It is needed. C'est nécessaire. For the next experience. Pour l'expérience suivante. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The preaching has been long, and I hope you are not sleeping. La prédication est très longue. Je sais que vous ne dormez pas. Hallelujah. Amen. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. In the name of Jesus, we have the victory. Amen. Amen. All right, so if you are asleep, I'm sure you are awake now. When God confronted a big problem, quand Dieu se trouve confronté à un grand problème, the first thing he does, la première des choses qu'il fait, is the Spirit of God moved upon the situation. L'Esprit de Dieu se meut sur la situation. Don't trust your head. N'aie pas confiance en ta tête. Don't trust in committee. N'aie pas confiance à un comité. Don't trust in culture. N'aie pas confiance dans la culture. Because they bring problems. Parce que cela envoie des problèmes. They make the problem more difficult. Cela envoie même à créer plus de difficultés dans les problèmes. Consult the Holy Spirit. Consulte le Saint-Esprit. God consulted the Spirit. Dieu a consulté l'Esprit. And the first thing God does. La première des choses que Dieu fait. To guarantee that you will always walk in victory. Pour te garantir que tu vas toujours marcher dans la victoire. To give you the Spirit. C'est te donner son esprit. And when you have the Spirit, et quand tu as l'esprit, you have the answer. Tu as la réponse. For every single thing. Dans tout ce que tu vas faire, tu as la réponse. That is the first thing. C'est la première des choses. See to it that you don't forget it. See to it that you don't forget. N'oubliez pas. Faut jamais oublier ça. Hallelujah. Amen. Don't forget. N'oublie pas. That's why I say remember. C'est
C'est ça qu'il dit. Rappelle-toi. Remember. Rappelle-toi. The rest of God. Le repos de Dieu. That you keep it in the manner. Et que tu vas le garder. Don't do your own works. That makes it unholy. Faut pas faire ton propre travail et puis penser que c'est saint. Stay with the Spirit. Reste avec l'Esprit. Stay with the Holy Spirit. Reste avec le Saint-Esprit. God stayed with the Holy Spirit. Dieu reste avec le Saint-Esprit. And brought forth a great victory. Et il envoie une grande victoire. That's the first. Ça, c'est la première. The Spirit of God moved upon the face of the water. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. And spoke to the Father. Et il parle au Père. What he found out. Ce qu'il a vu. Say, Father, this thing here is darkness that is causing it. Il dit, Père, cette chose-là, c'est les ténèbres qui créent cela. So what God do? Et qu'est-ce que Dieu fait? Verse 3. Verset 3. Let there be light. Il dit, que la lumière soit. Amen. If you do not come to peace, si tu n'atteins pas la paix, and rest, et tu n'es pas dans le repos, you are still in number one of the challenge. Tu es encore dans la première difficulté. Stay there. Reste là. In the spirit. Dans l'esprit. Pray. Prie. Until you have peace. Et quand tu as la paix. Your mind may not be fruitful. Peut-être que ta pensée n'est pas fructueuse. Ah, it doesn't matter. C'est pas grave. It's beyond the soul. C'est au-delà de this is là. The thing of the realm of the spirit. Dans le règne de l'esprit. When you pray in tongues, quand tu pries en langue, your spirit is praying. Ton esprit prie. Your mind is unfruitful. Mais ton esprit prie, mais ta compréhension n'est pas fructueuse. Oui, because if your mind knows, you begin to argue with God there. Parce que si ta compréhension connaît, tu vas commencer à argumenter avec Dieu. So he bypasses your mind. Glory. Donc ça passe au-delà de ta compréhension. Your mouth speaks. Ta bouche parle. What the Spirit says. Ce que l'Esprit dit. But your mind is unfruitful. Mais ta compréhension, ta pensée ne comprend pas. Suspense. It's suspended. Donc ta pensée est suspendue. Hallelujah. Amen. So you don't have to know the answer to your challenge before you have peace. You have to have peace to know the answer to your challenge. Tu n'as pas besoin de connaître la réponse à ta situation, à ta difficulté. Mais avant d'avoir la paix, tu n'as pas besoin de connaître la réponse à ta situation avant d'avoir la paix. Mais tu dois avoir la paix et tu connaîtras la réponse à ta situation. So when something comes that is agitating you, donc quand quelque chose vient et que cela t'agite, move to the realm of the spirit. Va dans le règne de l'esprit. Because the Father moved to the realm of the spirit. Parce que le Père est allé dans le règne de l'esprit. Stay there until you have peace. Reste là jusqu'à ce que tu aies la paix. If it takes you 5 hours of praying, continue. Si ça doit te prendre 5 heures de prière, continue. And if after praying the spirit for one day there's no answer, no problem. You are saving time. Pray more in the spirit. Si tu pries après un jour dans l'esprit que tu n'as pas la réponse, until you have rest. Continue encore dans l'esprit le lendemain. Because there is a rest. Jusqu'à ce que tu aies le repos. Because there is rest. Parce qu'il y a le repos. For every child of God, there is rest in every challenge. Il y a le repos dans toute difficulté. It is your rest. C'est ton repos. Enter into it. Entre dans le repos. By having recourse to the Spirit of God. Te connectant avec l'Esprit de Dieu. Stay there. Reste là. If one day, no peace, jour, continue. Paix, continue. Not general prayer, so. C'est pas une prière générale. Hein. Your word says. Mm-mm. C'est pas ta parole dit. Non. Mm. Pray in tongues. Prie en langue. Move to the realm of the Spirit. Va dans le règne de l'Esprit. And continue to pray. Et continue de prier. Until there is peace. Jusqu'à ce que tu aies la paix. Because when there is peace, there is rest. Parce que quand il y a la paix, il y a le repos. It means other things will follow. Ça veut dire que les autres choses vont suivre. Say with me. Dis avec moi. In the midst of a challenge. Au milieu de ce challenge. When I pray in the spirit. Quand je prie avec le spirit. He that knows the mind of God. Celui qui connaît la pensée de Dieu. Will walk in my behalf. Va travailler pour moi. And will give me a deposit. Il
of what he's going to do. That deposit is called rest. He's committed to giving me rest. Because there is a rest for me in that challenge. I will continue to pray until there is peace in my heart. And I can say, thank you, Jesus, for giving me the victory. But your mind will still be unfruitful. But don't argue with God. Non, mais faut pas discuter avec Dieu. Be compliant. Sois conforme. If you open the computer, si tu ouvres l'ordinateur, and you don't see your file, et tu vois pas ton fichier, the thing will be going up like it's rebooting, rebooting. Donc l'ordinateur là, il tourne, il te dit télécharger, télécharger. Then you don't say, oh, this computer is not working, you throw it away. Et tu dis, oh, cette machine ne marche pas, je la jette. Cet ordinateur ne marche pas, je la jette. You stay there. Tu es là. Tu restes là. Then at some point, when he should tell you, he say, I'm putting in update. À un moment donné, l'ordinateur te dit, je me fais une mise à jour. Oui. Oui. C'est 5% complete. 5% complété. And you are patient. Et tu es patient. Ah, because the computer will give you what you want, but you must be patient with it. Parce que l'ordinateur va te donner ce que tu veux, mais tu dois être patient avec l'ordinateur. Then you go to brush or do something, you come back, say 33% complete. And there's nothing you can do about it. Et tu vas te brosser les dents, tu reviens et te dis 33% complété. Then when it is 100, they will say one of three. It's three updates. It is just the first one that has passed. There are two more. Et quand ça fait 100%, il te dit, ça c'est la première étape parmi trois étapes. Il y a deux autres étapes à faire. So that the computer can work better for you, it is given updates. Pour que l'ordinateur puisse marcher conformément. Bien pour toi, il te donne les mises à jour. Because you have used your mouth to say many things, so the update. Come here, your spirit will make the update. Parce que tu as pris ta bouche pour dire beaucoup de choses, donc ça fait que la mise à jour est devenue longue. Hallelujah! Amen. But when he gives you rest, mais quand il te donne, oh, you can jump. Hallelujah. I cannot see it, but I know. Hallelujah. Papa, mais je sais. I do not see it, but I know. Je ne vois pas, mais je sais. It is the property. C'est la propriété. Of the experience. De l'expérience. Of all Christians. De tout chrétien. Amen. Amen. The old and the young can trust in the power of the Holy Spirit. Le vieux chrétien ou le nouveau peuvent obéir, peuvent avoir confiance dans la parole de Dieu. So the next thing God does, la prochaine chose que Dieu fait, is to give light. Il donne la lumière. The Bible says, la Bible dit, and God said, et Dieu dit, let there be light. Que la lumière soit. And there was light. Et il y a eu la lumière. It is not the solution. Ce n'est pas la solution. It's step number two. C'est la deuxième étape. Your mind will begin to be fruitful bit by bit. Donc maintenant ta pensée commence à être fructueuse petit à petit. Not suddenly. Ce n'est pas soudainement. The greater the problem, the more God brings you to the solution bit by bit. En fonction de la grandeur du problème, Dieu t'envoie la solution petit à petit. You must be patient. Tu dois être patient. Because when that light comes, parce que quand cette lumière vient, it is in the midst of the darkness that was there. C'est au milieu des ténèbres qui étaient là. And the Lord must separate the light out of the darkness. Et Dieu doit séparer la lumière avec les ténèbres. He must separate it. Il doit faire la séparation. So you don't add it together. Afin que tu ne mettes pas ensemble la lumière et les ténèbres. And produce a mixture that will give you a greater problem. Pour mettre ensemble la lumière et les ténèbres pour créer encore un grand problème. Hallelujah. Amen. Where the light comes, quand la lumière vient, God will separate and separate. Amen.
Dieu va séparer. You thought when the light came out of darkness, the Lord just said, separate light yet. No way. Tu penses que quand read your Bible. Quand la lumière est venue, Dieu a dit séparer. La lumière est ténèbre. Non. It continue. Ça continue. To separate. Continue de séparer. Then it comes to the realm of obscurity. Et ça, et on vient maintenant dans le règne de l'obscurité. What is that? What is obscurity? Qu'est-ce que c'est l'obscurité? Plenty of darkness have gone away. Il y a beaucoup de ténèbres qui sont parties. But some still remain. Mais il y a toujours quelques-uns qui restent. That's obscurity. C'est ce qu'on appelle l'obscurité. You do not know fully what to do. Tu ne sais pas pleinement ce que tu dois faire. There's darkness to be taken away from obscurity. Il y a encore des ténèbres enlevées de l'obscurité. And the Bible says when you find, it will make your obscurity like a new day. Fera de ton obscurité un jour nouveau. Hallelujah! Amen. Are you there? Yes. Oh, you don't want to labor to enjoy rest? God labors to get to rest. He labored for 6 long days to get to rest. Labor not by your own activity, but by the activity of the Lord. Amen. Dieu a travaillé pendant 6 jours pour obtenir le repos. Ce travail que toi aussi tu dois faire. Ce n'est pas par toi-même ton activité. You didn't understand me fully. Go to Isaiah 58. Tu n'as pas bien compris. Allons dans Isaiah 58. God went through this process to provide and to offer. And gives you instructions to enable you to know how to enjoy. Dieu allait dans ce processus pour nous donner les instructions pour nous permettre de nous réjouir dans le monde. Glory to the Lamb of God. We'll go to straight to verse 8. And we'll read to verse 10. When God shines the light, he's still having some darkness is inside of you. All the energies of the flesh l'énergie de la chair and the soul et de l'âme. Always a problem to God. On était toujours des problèmes pour Dieu. And to man. Et pour l'homme. That's why in the beginning to bring you to rest, your mind was not told what it's doing. You just find that you can't worry again. You are at rest. C'est pour cela que pour être dans le repos, c'est pas ta pensée qui vient, qui t'amène à cela. Tu te rends compte que tu es dans le repos. No matter how tough the challenge is, how complicated and complex the problem is. When you pray in tongues, you get to the point where you have peace. Until you have it, continue pray. If it takes 1 week, pray in tongues. Continue to pray in tongues until you have peace, until you have rest, because there's a rest for the people of God. I thought you should say amen and amen. Quel que soit le challenge qui vont venir, il faut que tu continues de prier dans l'esprit. Si ça doit te prendre 5 jours, continue de prier dans l'esprit, prie en langue, tu vas voir que jusqu'à ce que tu aies le repos, continue de prier. But if you go to Google it, it will add to the darkness that is there. Mais si tu vas chercher la réponse dans Google, ça va ajouter encore aux ténèbres qui sont là. No problem. Pas de problème. But the update. Mais la mise à jour. We take longer time. La mise à jour va prendre plus longtemps. Glory to God. Now, see what he says. What happens? When you are not speaking your own words. Tu ne dis pas tes propres mots. And you are only reading God's words. Tu lis seulement la parole de Dieu. You fast. Tu jeûnes. And the fast is, I won't say anything of my own words. Je ne vais pas dire quelque chose qui vient de ma propre. It is fasting your words and your thoughts. Je le fais selon ta parole et selon ta pensée. Your thoughts are not my thoughts. As far as the heavens from the earth, so far are my thoughts from your thoughts and your ways from my ways. Aussi loin que la terre est éloignée du ciel, aussi loin tes pensées sont éloignées de mes pensées. Just pack it to one side. Donc mets-le d'un côté. And when you are not speaking your own words, et quand tu ne parles pas de tes propres mots, a good person may have a bad attitude. Une bonne personne peut avoir une mauvaise attitude. Hein? Like David was a good man. Comme David, il était un bon homme. Hey, but he had a bad attitude. Mais il avait une mauvaise attitude. Hi! And we are all like that. Et nous sommes tous comme ça. Until.
jusqu'à ce que the Holy Spirit gives us breakthrough. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous donne la victoire. God said to David, say, I will not break my covenant with you. Dieu a dit à David, je ne vais pas briser mon alliance avec toi. Your throne shall be established forever. Ton trône sera établi pour toujours. Then David said, that's what you say. But you have rubbished my throne. You have forgotten me. You have broken the covenant. You have supported the enemies against me. Et David dit, oui, c'est ce que tu dis, mais tu m'as abandonné, tu m'as délaissé et tu as supporté mes ennemis contre moi. You have cast my throne to the ground. Tu as brisé mon trône, tu as délaissé mon trône. You have supported the enemies. Tu as supporté l'ennemi. That is bad attitude. C'est une mauvaise attitude. So good people may have bad attitude. Donc certaines bonnes personnes peuvent avoir une mauvaise attitude. And the Lord will teach us. Et Dieu va nous enseigner. To set aside those attitudes. De mettre de côté ces attitudes. Hallelujah. Hallelujah. So now let's come. Maintenant regardons. Light separating from darkness takes a process. It takes you from the things you have confidence in and brings you to the things you should have confidence in. Donc la lumière a séparé les ténèbres, ça prend du temps. Il prend des choses dans lesquelles tu as confiance. Il t'enlève des choses dans lesquelles tu as confiance pour t'envoyer dans les choses dans lesquelles tu dois avoir confiance. But there's rest for you. Mais il y a le repos pour toi. In that matter. Dans ce sujet. There's victory for you. Il y a la victoire in pour that toi. Matter. Dans ce sujet. If you have lost it some years. Si tu as perdu quelques années. God will restore it. Dieu va le restaurer. That's what he does. C'est ce qu'il fait. Eh? If you should have had a job and 3 years you have challenge, but you are resting in God. Si tu devrais avoir un travail, mais depuis 3 ans tu as des difficultés, tu as des challenges. When you get a job, quand tu as un travail, your 1 month salary. Ton salaire be like 5 months. So comme 7 mois. So your 1 year. Un an. It can be like 5 years. C'est comme 5 années. Don't ever you argue with God. He say the years that have been wasted by things that grow in the realm that we shall see. I will restore. Ne l'argumente pas avec Dieu. Dieu dit que les années qui ont été perdues dans les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, je vais les restaurer. God cannot arrive into your life late. Dieu ne peut pas arriver dans ta vie tard. He will make it good. Il va le faire. All right, come here. Verse 8. Then shall the light break forth as the morning. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Suddenly, understanding will come to you. De façon soudaine, la compréhension viendra à toi. Like the morning. Comme le matin. The morning light is not the greatest. La lumière du matin n'est pas la plus grande lumière. But when you pray in the spirit. Mais quand tu pries dans l'esprit. And it gives you rest. Et cela te donne le repos. The light will come as the morning. La lumière vient comme le matin. And it will grow to be like the noonday. Et ça va grandir jusqu'à la lumière de midi. It always comes as the morning. Et il vient toujours comme le matin. But don't despise that little light. Mais ne faut pas négliger cette petite lumière. It will grow up. Ça va grandir. Now let's go. And thy health shall spring forth speedily. Et ta guérison. J'aimerais. And thy righteousness shall go before thee. Ta justice marchera devant toi. And the glory of the Lord shall be your real reward. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Then thou shalt call. Et alors tu appelleras. When you call, it is because God has supplied light. Quand tu appelles, c'est parce que le Seigneur. Or what do you think, brother Achu? He said, before you call, I will answer. Eh? Il dit, avant que tu appelles, je vais répondre. It means he has given you what to pray about. So he knows, he gave you the prayer point. So before you call, he will answer. Because he will give you what to pray for before you start praying. Raise up your hand and say, hallelujah! Hallelujah! Before you call, he will supply the prayer point. And while you are yet praying, say, I've not yet broken through, he will say, yeah, I am. Before you say you are finished praying, he tells you the answer is here. Yeah. Many times in my life, I come to a point.
Plusieurs fois dans ma vie, j'ai atteint certains points. And I say, today is today. Et j'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. I'm not leaving your presence. Je ne vais pas quitter ta présence. Until. Jusqu'à ce que. You give me peace in this matter. Jusqu'à ce que tu me donnes la paix dans ce sujet. And I think, just look everywhere, not going out today, ready donc, to stay. Souvent, je ferme tout. Je pense que fermer tout et puis je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je reste là. I kneel down. Et je me mets à genoux. And start praying. Et je commence à prier. Many times within 5 minutes, the peace comes. Très souvent, après 5 minutes, la paix vient. And the victory comes after. Et la victoire vient après. Praise the name of the Lord. Once you resolve in your spirit, si tu résous dans ton esprit, to do what the Spirit of God says to do, de faire ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire, the journey becomes shorter. Le chemin devient très réduit. All right. What verse was that? Verse 9. So let's go to verse 10. Okay, no. Then shall thou call, and the Lord shall answer. Thou shalt cry, and he shall say, what? Here I am. Glory. Say with me, always, always. Always, always. God will show up. He says to me, a good leader will show up when the sheep has challenge. He that is the great shepherd will certainly show up in the midst of any challenge. If you are happy with yourselves, say amen. Thou art our God, and we will praise you. Thou art our God, we will exalt you. We give thanks unto you, Lord, for you are good, and your mercy endureth forever. We give thanks unto you, Lord, for you are good, and your mercy endureth forever. Let's complete verse 9. It's verse 10 we came to pick, but let's continue to go. And he shall say, what? Here I am. If thou shalt take away from the midst of thee the yoke and the putting forth of the finger, and what? Speaking in vanity. Sometimes when people have problems, in order for them to come quickly out of it, put padlock in their mouth and lock it. Souvent, les gens, quand ils ont des problèmes, pour eux de voir sortir rapidement des problèmes, ils ferment leur bouche. Avec la clé. Ils ferment leur bouche avec un cadenas et ils ferment. Le bouclent. If you lock some people's mouth, their problems will be quickly sorted out. Si tu fermes la bouche à certaines personnes, leur problème va rapidement se résoudre. And take their hands. Et tu prends leurs mains. And lock it up. Et tu attaches leurs mains. Because they always know who is responsible for their problem. Parce qu'ils connaissent toujours qui est responsable de leur problème. And they will put the finger. Et ils vont continuer à accuser. Hallelujah. Because you are not, men cannot hold you to ransom. Sickness cannot hold you to ransom. Government cannot hold you to ransom. So when there's a challenge, you forget about all people. And you stay with your God. Parce que les hommes ne peuvent pas te prendre en rançon. Le gouvernement ne peut pas te prendre en rançon. La maladie ne peut pas te prendre en rançon. Quand tu as des problèmes ou des difficultés, tu oublies tout cela et tu restes avec le Seigneur. Even if man seems to be doing something, forget him. Même si les hommes semblent être en train de faire quelque chose, oublie cela. Because when you stay with your God like that, parce que quand tu es avec ton Dieu, and you don't point finger, et tu n'accuses personne, and you don't speak, et tu ne parles pas, and you don't lock somebody in the maximum prison house in your heart, et tu ne mets pas quelqu'un, tu n'enfermes pas quelqu'un dans la prison de ton cœur, you will be able to say, tu pourras dire, you meant it for evil against me. Tu fais des personnes, you meant it for evil. What you did was an evil against me. Ce que tu as fait est une malice, est une méchanceté contre moi. But God turned it for good. Mais Dieu l'a transformé en bien. You did it. Don't be angry with yourself. God sent me ahead to be a savior. Joseph told his brothers. Joseph a dit à ses frères. Oh, why are you angry with yourself? Pourquoi vous êtes
Fassez contre vous-même. All you did. Tout ce que vous avez fait. Is used by God to bring me here to be a savior. Tout ce que vous avez fait a permis à Dieu de m'envoyer ici pour que je sois un sauveur pour vous. To take care of Israel. Pour prendre soin d'Israël. And to be a solution to the world. Pour être une solution pour le monde. Don't point finger. Your heart can be at rest. Keep the Sabbath. Love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And your neighbor as yourself. Free your heart. Ne n'accuse personne. Garde ton cœur tranquille. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta, ton âme. Et aime ton prochain comme toi-même. Tu seras en paix. Otherwise, you have a dream. Sinon, tu auras un rêve. You will see somebody going in the dream. Tu vas voir quelqu'un qui va dans le rêve. He's carrying a bag. Qui a un sac. He didn't see the face. Tu n'as pas vu la face. He said, yes, it's that man I'll be pointing. He's carrying my blessing away. Oui, c'est cet homme-là qui est en train de partir avec ma bénédiction. He said, God also showed me the dream. God does not show you such dreams. Tu as dit, oh, Dieu m'a montré ce songe. Dieu ne t'a rien montré. Forget about man. Oublie l'homme. The solution, solution is between you and God. Alright. So don't point the finger. Stop speaking your own words. Verse 13 and the others. Say, look at verse 13. If thou shalt turn away thy foot from the Sabbath, from doing what? Thy pleasure on my holy day. And call a Sabbath the delight, the holy of the Lord. Honorable. And thou shalt honor him, not doing thy own ways. Nor finding thy own pleasure, nor speaking thy own words. You must cut off from all of these things. In the midst of this challenge, the instructions are to be obeyed. And that is why unbelief, l'incrédulité is a product of disobedience. L'incrédulité est un produit de la désobéissance. So let's come back to verse 10. Verset 10. Revenons au verset 10. Let's read it one to go. Ensemble, lisons. And if thou draw out thy soul to the hungry and satisfy thy afflicted soul, then shall thy light rise where? In obscurity. What is obscurity? It's being